Juge Bernard Saint-Ville levé interdiction de départ qui était gagné contre Premier ministre Ariel Henry. Accord politique pour gouvernance apaisé, arrêté si la sorti dans le journal pays qui c'est le Moniteur. La police nationale d'Haïti, malgré toutes difficultés que yon gagné pour yon contrôler groupement armé en de pays d'Haïti, et bien d'avoir rassuré parents élèves qui sont capables de mener timoun yon l'école normalement. Vice-présidente pays États-Unis Kamala Harris parlait sous situation expulsion sommaire ça que a fait ensemble avec migrants haïtiens alors que Gore lui-même qui a occupé là de certains dossiers qui ont rapport à migration et immigration aime bien parler sous quantité de monde que arrivé rejoindre sous frontière République Dominicaine durant mois d'août là. C'est toute information ça avec divers slots qui a fait essentiel actualité jeudi. Coucou tout le monde, bienvenue sur chaîne Actualité nous en TAC Info Plus avec Zaminou Fabiola Jachol. Nous comptons rentrer la caille jeudi encore une autre fois pour une autre rubrique information que nous prenons pour développer pour vous dans quelques instants. Lever interdiction de départ que M. Temeté maladroitement contre un Premier ministre là, au mépris de l'article 90 du Code pénal haïtien. Nous avons fait ça, la loi mettait à la disposition nous comme avocats professionnels. Nous avons signé un référé au lieu que nous avons demandé au commissaire du gouvernement pour le faire une rétractation pure et simple. Nous n'avons pas dit nous servir avec pouvoir nous pour nous orienter la décision. Nous avons signé les instances concernées. Le commissaire du gouvernement est venu plaider contradictoirement ensemble avec nous. Nous fait l'exposition des faits et des moyens, quitte à ce que le commissaire a demandé doyen, puisqu'il constate vraiment qu'il y a une illégalité, une action arbitraire qui est posée à l'encontre de la personne du Premier ministre. Donc, doyen a rétracté la décision que nous-mêmes nous gagnons là. Nous gagnons une décision là qui demandait pour immigration accepter lever interdiction de départ que commissaire ex-commissaire Bedford démette avec précipitation hors tout cadre légal. Là, nous avons une décision nous n'amène nous. Nous pas demandé commissaire là pour lui-même lui prendre décision sur ce qu'il t'a fait. C'est sûr, il y a des gens qui t'a pas dit Premier ministre en servi avec commissaire lui, il retire commissaire Bedford pour le capable régler l'affaire du tout. Ça c'est signe qui voyait qui fait qu'on est aujourd'hui là. C'est pas une grande autorité qui agit, mais c'est composition un tribunal. Si lui-même comme Premier ministre, les suivre trace la loi ou même cap garder me là aujourd'hui, dit tout ce qu'on gagne qui a rapport avec la justice, il pas fait à côté, il pas fait dans antichambre, l'a fait Jean la loi mandé pour le faire et c'est pas pour rien Premier ministre l'envoyer premier signal ça. Actuellement, c'est lui-même qui est chef de gouvernement. Tout l'autre monde, de près ou de loin, qui t'a indexé dans un dossier ou bien dans un lot, l'a bien pour répondre à la question de la justice. Parce que moi-même, comme avocat, m'a profité de faire un message pour me passer. Nous-mêmes, l'ensemble des avocats, nous avons 3 ans. C'est sous ça que nous avons gagné, nous avons vécu. C'est fort nous avons gagné. Avocat Port-au-Prince, nous vivons mal. Tant pour tout l'autre professionnel ou même plus mal parce que nous ne rentrons rien. Jodi en là, avec le gouvernement, ça, nous avons fait tout ça nous connaît pour nous demander comme avocat, pour nous demander au gouvernement, bonne possibilité pour nous travailler parce que le tribunal a manqué nous. C'est jardin avocat, il a commencé ouvert, peut-être son signe, il a commencé avec l'autre, il vient contribuer et nous avons fait effort. Même ça nous fait, je veux dire là, pour le Premier ministre, là, pour tout l'autre monde qui a besoin de fonctionnement de la justice, là, pour l'État pays, nous, mettre le système là, à la portée de tout le monde, pour chaque monde qui a pris une décision pour un client. Avec ça, avocat qui a voué petit à l'école, avocat qui a payé Kayo, avocat suspend le Canada, avocat suspend peur, parce que compagnie côté pour aller, compagnie jardin, ou malheureux. Or, nous autres avocats, ces derniers temps, nous sommes très, très malheureux. C'est dans la phase, je remercie nous de ce que
nous venir, nous partager ensemble avec moi information. Et décision automatiquement les rendre à partir de signification li, c'est ça il y aurait l'opposabilité au tiers kounye la devant nous d'autres devant la presse moi pral signifier Jean la loi mandé pour me faire et à partir de jodi là interdiction de départ li tombé li pas existé encore ni en fait ni en droit. Nous pas besoin faire trop parler en pile puisque nous tendez exactement ça juge Bernard Séville qui c'est doyen tribunal première instance Port-au-Prince lui-même l'y déclaré par rapport ensemble avec interdiction de départ ça qui était gagné contre premier ministre Ariel Henry. Ancien commissaire gouvernement Claude Bedford, après que Digicel t'ait fini remettre relevé téléphonique, qui t'ait certifié que y a des appels qui t'ait passé avec numéro Ariel Henry à plus Joseph Félix Badio, et bien t'ait décidé d'inviter premier ministre devant parquet, d'une manière pour être capable de répondre à la question de la justice, sous ça qui est aoué ensemble avec assassinat président républicain Jovenel Moïse. 24 heures après que au fin voyé invitation ça, et bien premier ministre Ariel Henry a décidé de destituer Claude Bedford quand il est remplacé par Franz Louis-Juste et il a destitué tout. Et bien, ministre justice là, Rockefeller Vincent, yon manière lui-même pour te remplacer par Lisa Kittel qui c'est lui-même tout, ministre intérieur ak collectivité territoriale. Qui donc c'est le juge Bernard Séville qui te aussi prend décision contre ULCC dans le dossier Reginald Boulos corruption. Et bien lui-même, il décide la prépare ensemble avec Ariel Henry côté, il décide lever interdiction de départ ça qui te gagné contre premier ministre pays d'Haïti Ariel Henry. Accord politique pour une gouvernance apaisée, et bien accord politique si là, il sorti dans le journal PIA, qui c'est le moniteur, côté normalement, c'est premier ministre Ariel Henry, qui c'est plénipotentiaire, puisque c'est lui-même qui a gagné pour lui diriger gouvernance en de pays d'Haïti et surtout organiser élection dans le temps intérimaire, ça, que peuple haïtien lui-même, lui poko connaît qui lui a fini. Dans ce moment-là, nous avons dit que le premier ministre Ariel Henry, c'est un petit président pour qu'on tête parle, puisque c'est lui-même qui gagne tout charge. Et nous ne pas étonner si toutefois un jour, nous avons des premiers ministres Ariel Henry sorti arrêté pour lui faire connaître que c'est lui-même qui est actuel président du pays d'Haïti. Qui donc Joseph Lambert lui-même, lui boit l'huile, puisque lui fait au moins plusieurs tentatives pour installer comme étant président provisoire dans le pays. Alors que dans ce moment-là, eh bien, c'est accord qui a prôné un gouvernement monocéphale là, c'est lui-même qui passe. Donc, situation là, en de pays d'Haïti, c'est une situation qui vraiment critique, nous allons dire compliquée encore, parce que il dépasse ce stade compliqué, il vient tomber dans un stade critique. Donc, le juge Gary Aurélien, qui a instruit de ces assassinats, ancien président républicain Jovenel Moïse. Jusqu'à Aurélien, il te fait connaître que il a gagné tout matériel à disponibilité, yon manière pour lui qu'à travailler sans tête cassée sous dossier assassinat. Si c'est ça, ministre justice là, avec autorité haïtienne, yon te fait connaître. Et maintenant, moment là, jusqu'à Aurélien, a travaillé à propre génératrice personnelle, en d'un parquet, yon manière pour lui qu'à instruire dossier assassinat. Si puisque, non parquet, gagne un blackout qui vraiment total. Te gen blackout les auditions de la guerre civile là, te gen l'autre blackout les auditions Dimitri Erol. Les juges là ouais c'est trop misère, trop parler en pile, et mais il lève génératrice qui la kaya, il dépose le paquet et puis il fait connexion courant, yon manière pour dossier à lui-même, il capable avancer. Qui donc nous ka remarqué dans qui façon que nous a vivre en Haïti. Je ne te dis l'avant hier, la seule chose qui n'est pas en crise en Haïti, c'est la crise lui-même, parce que la crise lui-même, lui toujours été cohérente ensemble avec ça qui a passé. Immédiatement, que cohérence ça lui-même est tombé, eh bien, même crise, en dans le pays d'Haïti, a pris crise. Ça veut dire là, bagaille continue, mangon men en men. Situation continue, exagérée et perdu contrôle nan men.
Nous toute la ka remarqué, nous toute la ka wel, pas gen personne qui obligé vin raconter nous qui ça exactement qui a passé en bas genou actuellement là dans pays nous. C'est ça qui fait gen un paquet moun qui décidé courir lever quitter pays ya. Gang qui responsable de quelques activités qui gen rapport avec voyage en dans pays d'Haïti, dénombré environ 25 863 haïtiens sous frontière haïtiano-dominicain dans mois d'août là seulement. Ça veut dire que 25 000 moun qui sorti en République dominicaine pour retourner en Haïti puisque le gouvernement dominicain lui-même n'a pas décidé que beau. Dans mois septembre qui fait commencer là, il y a plus passé 4 000 moun encore que République dominicaine lui-même a décidé de retourner. Malgré que pays République dominicaine lui-même il fait qu'on est que il a continué à accompagner haïtien yo, il pas abandonné gens tout l'autre pays yo abandonné Haïti. Donc nous ka remarqué dans qui ça nous. Ma balle autant de responsables gaulan qui a baillé toute disponibilité que vous avez pris, vous avez là pour être capable d'aider les gens. Par rapport à la situation humanitaire que les migrants ici ont trouvé trouvés dans la frontière, nous pensons que tu as supposé gagner une considération qui fait pour empêcher que la situation mounio même détériorée pour empêcher que la situation mounio même plus aggravée par rapport à gens qui ont déjà. Parce que l'image montre nous sur les réseaux sociaux, nous avons des photos, nous avons des vidéos, dans quelles conditions mounio a vivre côté en bas un pont, par une assistance humanitaire que nous avons. Et nous même nous dénonçons ça, nous déplorons le fait que l'autorité, que ce soit à bon côté et États-Unis, que je sois bon côté pays Mexique, qui n'ont pas vraiment une assistance à tous les migrants qui sont vraiment dans une grande difficulté dans la zone frontière. Un pile haïtien qui vivait dans la frontière, qui trouvait en bas pour moi, qui n'a pas de documentation. Parce que un pile de documents ont perdu sur route, ils volent les affaires, ils n'ont pas de pièces, ils n'ont pas de papier vraiment pour identifier vraiment. Et ce n'est pas des gens qui te font une demande vraiment formelle que tu as besoin de visa pour être capable d'entrer sur le territoire. Voilà. Puis devant nous gagne migrants haïtiens au côté une pig gros tête en dans Sénat pays États-Unis écrit président Joe Biden pour lui demander le temps pris pour lui suspendre ensemble avec expulsion sommaire ça. Expulsion sommaire ça, c'est président Donald Trump qui t'a commencé ensemble avec l'a te remarqué que hispanique au mexicain yo t'a ap dépassé frontière yo pour yon rentrer en dans pays États-Unis. Président Joe Biden lui-même, lui continue ensemble avec lui. Hier là, il y a une série d'Haïtiens qui te prend possession de un bus qui t'a sorti dans Del Rio pour mener au Texas. Yon manière pour t'a capable mener yon l'autre côté, pour t'a expulsé yon en Haïti. Yon révolté, yon prend possession bus si là. Alors que, y'a plusieurs autres monde qui révolté par rapport ensemble avec des images choquantes qui a circulé sur les réseaux sociaux, comme quoi, y'a des Américains qui montent cheval yo et qui a fouetté les Haïtiens, yon manière pour capable sortir côté yon yia. Kamala Harris, qui se vice-président pays États-Unis, eh bien, parle sous dossier si là. N'a botte de Kamala Harris et puis n'a tourné. Image mwen wè de moun ki sou choual ki tap traite migran yo kon sa déplorable. E mwen apye ak tout fòs mwen sa kap pase kounye an ki se yon anket profond pou chache konen sa kap pase lòt bò a. Kretye vivan pata janm dwe subi tritman kon sa. Sa bouleverse mwen pil e map diskute sou sa ak sekretè Mayorkas jodi a. Haïti, c'est un pays qui fait face à un paquet de tragédies, désastres naturels, assassinats présidents. Et vraiment vrai, il faut que nous fassions plus et puis reconnaître que, en tant que membre de la communauté occidentale, il faut que nous appuyions les besoins essentiels du peuple haïtien gagnant pour qu'il recamper sous deux pieds et faire ça tout le peuple voulait faire. Tant que le monde Amérique centrale, il voulait rester la caille, il ne voulait pas quitter le pays. What folks naturally want to do, be them from Haiti or in the countries in Central America. People want to stay home, they don't want to leave home. Voilà. La seule chose que l'administration Biden-Harris lui-même décide de faire pour Haïtien Silayo, eh bien, c'est accueillir tout le monde qui a des parents ensemble avec eux et surtout accueillir mère qui est célibataire, plus femme qui est en gros ventre déjà. Yo manye la pou yo kapab mande asile, paret devant yo juge immigration, pou yo wè si yo éligible, est-ce que oui ou non, yo kapab rete nan pays États-Unis, est-ce que yo gen yon raison ki valable
pour certifier peur ça que yo gagné deux pays d'Haïti. Qui donc nous ka remarqué qui Jean Bagay yo même yo continuer à circuler. Affrontement continue entre base 400 Marozo et puis la police nationale d'Haïti. Le mois sans jour fait qu'on est lui même qui chef et seigneur dans croix des bouquets. La police nationale d'Haïti pas ka fait rien contre ça. Qui donc affrontement lui même li a continué. Alors que DG Léon Chol bon côté parle, li a essayé rassurer parents élèves yo yon manière là pour capable continuer mener timoun yo l'école. La police nationale d'Haïti sorti une note que nous pral permettre nous li pou. Commandant en chef de la police nationale d'Haïti, M. Léon Charles, salue les efforts consentis par les parents en vue de permettre à leurs enfants de retrouver le chemin de l'école. La police, à travers ses différentes unités, est mobilisée pour garantir la sécurité et la protection de tous les citoyens et particulièrement les élèves qui représentent l'avenir du pays. En dépit des menaces désespérées de ceux qui veulent semer le désordre dans le pays, le haut commandement demande à la population de toujours collaborer avec l'institution et réitère sa détermination et sa volonté de servir et de protéger toute la population conformément à sa mission qui est notamment protéger et servir. Qui donc déjà la police a pas gain contrôle insécurité a mais la demande parents timoun yo pour continuer mener au l'école puisque faut population li même li aider la police nationale d'Haïti faire travail correctement. C'est toute information ça que t'ai porté pour aujourd'hui hein. Merci d'être que continuer suivre nous jusqu'au bout. Merci d'être que continuer inviter en famille ou à vos amis. Restez connecté avec TAC Info Plus pour qu'a gain information yo dans bon timamite. Nous ba rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis mes chers amis. Bye bye.